parce que c'est moi j'occupe le fils. Et là pour moi je peux passer ça. Merci beaucoup. Bien. Émilie, enchantée. Émilie, enchantée. Bah, merci beaucoup. De rien. Mais c'est quand même fou qu'on se soit jamais croisés, quand même. Bah pas tant que ça, tu sais, hein. C'est pas dans mes habitudes de sortir. Alors c'est pas que les humains, c'est pas mon truc, mais c'est presque ça. Ok. De toute façon, après ça, ça peut changer, tu vois. Puis on s'est rencontrés, on peut faire des trucs, si tu veux. Mm-hmm. J'habite vraiment juste à côté, donc ça serait un tout petit peu con qu'on n'en profite pas. Ah, ça serait possible. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut, voir des gens, sinon tu finis vite par déprimer, quoi. Bon. Ce serait dommage. Ah, ok. Non, mais ça va aller, ça va. Bah, si tu le dis. Mais merci. Bon, enfin bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu sais où me trouver. Mmh. Je vais y aller, mais tu passes quand tu veux. Ok. Bah écoute, ça m'a fait plaisir. Merci pareil. De l'invitation. Et bah, de rien. Et bah, bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Attends. Tu sais, en ce moment, je passe beaucoup de temps toute seule à essayer de combattre mon ennui. Et j'ai rien trouvé pour me redonner de la motivation, de la reconnaissance, etc. J'ai plein de rêves, je t'assure que j'ai plein de rêves, mais ils partent souvent en fumée. Et par exemple, j'arrive même pas à trouver un boulot qui me plaît, pas un boulot tout court en fait. Et tu vois le vide, le putain de vide, bah il s'installe. Beaucoup dans ma vie et je trouve rien. Au moins c'est direct. Tu veux passer à l'appart? J'aime bien ton appart. Cool. Merci. Tu veux le double? Le double? Le double des clés. On va faire. Je sais pas. Si tu veux passer. Bah non. Je voudrais pas te déranger. Bon, tu me dérangerais pas. De toute façon, depuis mon ex est parti, je suis toute seule. Ah, je savais pas, je suis désolée. Ouf, c'était un connard. Il a fait quoi? Je sais plus. C'est quoi ton plus gros rêve? Ah, moi je voulais être actrice. Pourquoi vous voulez? Parce que j'y arrive pas. J'ai pas de motivation. En fait, j'ai rien pour être une actrice. Et puis tu sais, je te l'ai dit, j'arrive pas à voir des gens. C'est le bore-out. Pourquoi? Le bore-out. C'est ce qu'un psy a diagnostiqué à mon ex. Tu te fais chier, tu tombes dans l'ennui. Les tâches répétées, puis ça s'empire. On se roule un joint? Bah non. Tu t'es endormi chez moi hier. Putain, je suis désolée, j'étais fatiguée. T'inquiète. Tu te souviens de moi quand même? Bah t'es la meuf à qui j'ai rendu la valise. Émilie. Je m'en rappelle, hein. Tu veux un biscuit? We'll be right back.
pourquoi t'as pas sonné? Bah, je sais pas, j'y ai pas pensé. T'as pas pensé? Mais t'es vraiment conne? Bah, désolée. J'ai une soirée avec des potes ce soir, si tu veux venir. Désolée. J'ai réfléchi. Non mais hein, tu fais quoi là? Oui. Bah du coup j'ai réfléchi et je viens avec toi. Trop bien, t'es sûre? Ouais, par contre, est-ce que tu peux me dire ce que c'est le bore out? Ouais, si tu veux. Maintenant? Bah oui, oui. Ok, bah oui. Si tu veux, le burn-out, en fait, c'est un peu... En gros, c'est une dépression due à l'ennui. Voilà. C'est un peu moins tu vas faire de trucs, moins tu pourras en faire. Ce genre de cercle vicieux, quoi. Ok, mais comment tu sais tout ça, toi? C'est mon ex qui avait ça. C'était assez dur à vivre. Voilà, il voulait voir personne, il voulait plus rien faire. Okay. Ouais. Y a un moyen de s'en sortir? Sûrement. T'es prête? Ouais, ouais, ouais. Regarde. Très bien. Bah écoute, je vais me préparer, tu m'attends? Oui. Allez. Tu veux rester pour regarder? Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai dit que t'étais conne, bah, c'est pas conne. Bah non, mais du coup, non, t'es pas conne. C'est que je voulais m'excuser. Bah, eh bien. Alors, Bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas y aller. Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que je me sens pas d'y aller. Mais faut que tu sortes, faut que tu fasses un truc. Tu peux pas rester ici, là. Tu changes d'air, faut que tu vois des gens. Je t'ai dit que je voulais pas y aller. Tu peux y aller sans moi. En plus, je suis toute démaquillée, toujours sans la rien, j'ai pas envie d'y aller. Bah, écoute, c'est pas grave. On restera ici tous les deux. Mais quoi? Bah non, on fait un truc toutes les deux, on fera une petite soirée. Ça sera sympa. Ok? Allez, on va un peu te démaquiller. Ouais, parce que là, t'es déjà commencé. On va mettre un peu de musique. Ok. Puis ça va être cool. Ok. Feel.
ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather read than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Je vais pas tenir plus longtemps. Je supporte pas de voir mon rêve s'écrouler. J'ai besoin que ça s'arrête. J'ai besoin que tout s'arrête. J'en ai marre de mettre des virgules à chaque fois dans ma vie. Je veux un point final. Si seulement j'avais rien abandonné. Si j'avais pas tout lâché. Je suis désolée. Je ressens. Je ne veux plus rien. Je ne sers à rien. Ouais, allô, c'est Emily. Emily ? Celle qui m'a quitté ou l'autre ? Celle qui t'a quitté. Ah, ok. Comment ça va ? J'ai besoin de ton aide. J'ai une amie dans le bore-out et je sais pas quoi faire. Décidément, te dire que ça. Sois pas comme ça, s'il te plaît. Elle va vraiment pas bien, je sais pas quoi faire. J'ai besoin de conseils, en fait. Tu la connais ? Non, tu la connais pas, c'est ma voisine. Aide-moi, s'il te plaît, donne-moi un conseil, je sais pas. T'as pas réussi avec moi, pourquoi tu veux réessayer ? J'ai vraiment besoin de ton aide, en fait. J'aimerais bien, mais il y a un problème. Quoi ? Tu veux que je t'aide à la sortir du bore-out ? Mais moi, j'ai jamais réussi. Pardon, j'aurais pas dû t'appeler. Ouais, peut-être. Putain, Émilie, cette fois-ci, tu laisses pas tomber, quoi. Tu fais quoi là ? Bah tu croyais que j'allais sauter ? C'est pas le cas ? Bah non. Oh. C'est toi qui as pris mon vieux portable ? Je comptais te le rendre. Non, moi, je voulais pas que tu tombes là-dessus. Enfin, je voulais pas que tu vois ça. Enfin, que t'écoutes. Curiosité malsaine.
J'ai vraiment envie de t'aider. Regarde ce que j'ai trouvé dans mes vieilles affaires. Tu veux réaliser ton rêve? Tu m'as dit que tu voulais être actrice. Allez, madame. Eh bah, écoute, action. Mais si, allez, vas-y, fais un truc. Émilie, t'as eu de la chance qu'elle s'en sorte. Je sais. Alors laisse pas tout tomber comme à chaque fois. Et si tu veux l'aider, sois là pour elle. Je sais. Thank you.
Mmh, mmh.